Coucou à tous, bienvenue dans ma cuisine, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, la recette que je vais partager avec vous, c'est une autre manière de faire du jus de thé d'eau ou pain de singe ou jus de baobab à la maison. Une recette très simple et facile à réaliser. Vous pouvez retrouver de la poudre de baobab. Si vous êtes en Afrique, vous pouvez retrouver dans les marchés publics ou bien dans les supermarchés. Si vous êtes en Europe, vous pouvez retrouver ça sur eBay ou bien sur Amazon. C'est une recette très simple, il faut essayer la recette à la maison. J'avais partagé deux manières de faire du jus de thé d'eau, mais cette fois-ci, c'est la troisième recette que je viens de partager, que je vais partager avec vous. C'est du jus de thé d'eau au miel et au lait. Très simple et facile à réaliser, très, très rafraîchissant et plein de vitamines. Il faut essayer la recette à la maison. Vous allez adorer, vous allez adorer. Il faut essayer la recette et vous allez aimer. Une recette très simple et facile à réaliser. Donc, je vais vous présenter les ingrédients que vous aviez besoin pour réaliser du jus de thé d'eau au miel et au lait à la maison. Il faut regarder la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre et puis reproduire à la maison. Très simple. N'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous et activer la cloche de notification pour ne pas manquer des nouvelles recettes. Pour les ingrédients, vous aviez besoin de 200 g de poudre de thé d'eau ou pain de singe ou thé d'eau si vous voulez. Voici le thé d'eau en poudre. Ensuite, vous aviez besoin de 4 cuillerées à café de sucre blanc. Ensuite, vous aviez besoin du miel. Je vais rajouter 2 cuillerées à café du miel. C'est un mélange de miel avec de la cannelle. Ensuite, vous aviez besoin de 150 ml de lait non sucré. C'est du lait non sucré. Ensuite, vous aviez besoin de 1 litre d'eau tiède, une cuillerée à café de vanille extra pure. Si vous n'aviez pas de la vanille extra pure, vous pouvez rajouter du sucre vanille. Ensuite, vous aviez besoin de la noix de muscade. Voici, j'ai 2 noix de muscade que je vais râper et puis rajouter. Si vous aviez la poudre de noix de muscade, vous pouvez rajouter. Mais je n'ai pas la poudre, donc je vais râper ça et puis mettre. C'est la même chose, vous pouvez remplacer avec la poudre. Et c'est tout, vous aviez besoin d'un mixeur. Vous pouvez mettre ça, vous pouvez faire le mélange dans un saladier, mais pour avoir une forme lisse, je vais mixer dans le mixeur. Et vous aviez besoin d'un passoir et puis un saladier pour tamiser. On va commencer la préparation. Il faut regarder la vidéo jusqu'à la fin. C'est une recette très simple et facile à réaliser et très très rafraîchissant, plein de vitamines et bon pour la santé. Pour commencer, dans mon mixeur, je vais mettre le baobab ou pain de singe ou poudre de thé d'eau dans le mixeur. Ensuite, je rajoute le sucre. Il faut mettre le sucre à votre goût. Je rajoute le sucre. Ensuite, je vais rajouter la vanille, une cuillerée à café de vanille extra pure ou bien du sucre vanille. Ensuite, je rajoute le miel. Deux cuillères à café de miel. Ensuite, je vais râper mon noix de muscade. N'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous et activer la cloche de notification pour ne pas manquer des nouvelles recettes. Maintenant, je vais rajouter le lait. Ensuite, je rajoute l'eau tiède. Je vais couvrir et puis il faut écraser le tout. Et voilà, à l'aide du saladier et le passoir, je vais tamisser.
N'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous et activer la cloche de notification pour ne pas manquer des nouvelles recettes. Il faut laisser au frais, il faut laisser au frigo. Laissez refroidir une heure avant de servir. Maintenant, je vais servir. Après une heure au frais, je vais servir. Et voilà, mon jus de thé d'eau au miel et au lait est prêt. Merci de regarder la vidéo. N'oubliez pas de liker si vous regardez la vidéo. Si vous aviez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous et activer la cloche de notification pour ne pas manquer des nouvelles recettes. Je profite de remercier à tous ceux qui se sont abonnés sur ma chaîne YouTube. Merci infiniment, que Dieu vous bénisse. Et je demande à tous ceux qui ne se sont pas abonnés, il faut vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer des nouvelles recettes. C'est Balkissa's Cooking. J'ai plein de recettes à partager avec vous. Donc, n'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous et activer la cloche de notification pour ne pas manquer des nouvelles recettes. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye!